Bon, on va dire que c'est bon. C'est le haut. Ça, c'est le haut. Allez, on est parti sur ça, c'est le haut. Voilà. Et on recommence. On recommence la danse des petites pattes. On en a encore en faire à chaque fois. Bah ouais, ouais. Ah, dis là, elles veulent pas parce qu'elles sont trop. Elles sont trop.
C'est le truc ultime, c'est qu'il n'y ait pas de fanzine qui sort. Voilà, le malheur, peut-être, c'est pas vers le bonheur. Facile à. Bah, du coup, le bonheur, peut-être, un peu vers le malheur. Est-ce que tu avais vu qu'il y avait des culottes sérigraphiées? Non, je n'ai pas vu ça. Là, il y a des culottes sérigraphiées. Je pense à rien aujourd'hui. Ça, c'est les gens qui je pense à rien demain. Ça, c'est les gens qui arrivent demain. Ça, c'est les gens qui arrivent demain. Il y a déjà plein de gens que je vois qui sont déjà là. C'est mignon, tout ça. Donc je vais donner les deux. Qu'est-ce que j'ai dit sur Jules Verne? Tu as aimé aussi. J'ai jamais dit ça. Tu as aimé aussi. Je voulais voir tous les auteurs, quoi. C'était un côté un peu collectionneur maladique qui a évolué, hein, mais qui était un peu ça au début. J'avais pris le catalogue de plusieurs fanzines comme L'Aurore est humaine, j'étais allé voir leur truc, j'ai contacté tous ceux qui étaient dedans. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire, quoi. À l'expo pour payer 2,50€ et c'est à 15 minutes d'ici. Non, En rentrant en France, donc j'ai fait après nous le déluge, donc là j'attaque le 6e numéro. J'ai fait sur la mort, le sexe, l'alcool, enfin voilà, avec toujours des expressions de la langue française qui sont un peu drôles parce qu'il y en a plein qui sont très marrantes. Là je pense que ça m'a donné un peu la confiance de faire des zines parce que quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup de zines, mais plutôt des zines faits par des mecs, des trucs un peu chiadés avec beaucoup de chroniques, d'interviews, voilà. Et je pense que je me sentais pas du tout capable de faire un truc pareil, donc pour moi le zine restait un truc un peu lointain. Ensuite on pose comme ça, et puis on cale donc dans le creux qu'on a fait, et là on pousse. Thank you.
une dédicace aussi. Ouais, bien sûr. Après, c'est comme ça, c'est une truc qu'elle est attendue. Il avait été invité aux tables rondes et moi j'avais fait une chose toute simple. S'il faut retourner comme la patate partout. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir à peu près la même épaisseur partout. D'accord. Et pas trop fin pour ne pas traverser. Mais ça, c'est parfait. Si vous voulez d'ailleurs contourer, vous avez ce petit sac. C'est ça qui fait. Je pense que c'est tout à l'heure qu'on fait des choses. On dit que c'est une ferme de maison. La nuit des chats fondus numéro 1. Les gens vont trouver l'objet joli, donc il y a peut-être des gens qui voudront en avoir, même s'ils n'ont pas vu l'expo.